Yop tout le monde, bienvenue pour cette news particulière. Aujourd'hui, et eh bien comme vous voyez, ben, on se retrouve sur mon bureau. Donc c'est une vidéo spéciale, comme vous avez pu le lire dans le titre. C'est genre une vidéo crack, on va dire, de BitTorrent Pro. Alors, BitTorrent, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel pour télécharger des torrents. Assurer, c'est le plus fiable. Je n'en doute pas. C'est le plus fiable, effectivement, d'après moi, et je le préfère à tous les autres, surtout pour les avantages qu'il génère. Et donc, pour ce faire, bon, c'est un crack rapide, simple et efficace. Donc, pour ce faire, je vous mettre, vous aurez un lien dans la description qui vous servira à télécharger, un lien qui sera ce lien là dans la description pour télécharger BitTorrent. C'est sans virus, je vous le promets. Regarde. Démarrage. Pop-up. On attend. Ça va relativement vite parce que j'ai une connexion en download assez rapide. Ça devrait aller. Ouais, donc ici vous voyez comme il y a truc. En gros, moi ça c'est genre 46 secondes quoi, mobile, on va dire. Donc ça télécharge. Hein. Alors, bon. On va attendre que ça finisse de télécharger, comme ça vous êtes sûr que c'est sans virus. D'ailleurs, je vous promets que c'est sans virus. Promis, je vais crash. Et donc voilà. Donc, maintenant vous avez BitTorrent, on va créer un nouveau dossier. YT, on prend YouTube. Hop là. Donc, on prend ce dossier. On prend. Il faut que je regarde, ouais, ça filme toujours, tant mieux. Donc on prend ça là, on met ça là, on prend Google, on le met à droite, puis vous glissez dans un fichier, dans le, ouais, si vous avez envie, vous pouvez fermer Google d'ailleurs maintenant. Donc vous glissez BitTorrent Pro Crack par Dr. Honor pour moi-même. Ouais, parce que je l'ai téléchargé, enfin, bref, voilà. Ensuite, vous allez mettre extracter. Ça va extraire. Donc, dans ce fichier, vous aurez d'abord les instructions. Les instructions donc sans virus, comme je l'ai mis. Pour connaître les avantages de la version pro, donc c'est ça. Vous voyez bien que, bon, c'est un paint dégueulasse, mais bon. Vous voyez bien que ça, c'est celui de base, donc le gratuit. Ça c'est celui juste sans pub et ça c'est le pro. Donc ce que vous pouvez remarquer c'est qu'avec le pro on a une protection automatique contre les virus et le malware. C'est à dire que quand vous téléchargez un torrent, BitTorrent va analyser le torrent pour voir s'il n'y a pas de virus et de malware. Et s'il y en a, et ben il va les tuer, les supprimer, bref, voilà. Donc on a une assistance clientèle premium. Même si ça je pense pas que ce soit utile d'utiliser, parce que si vous l'avez craqué, ça va être un peu tendu. Convertissez votre téléchargement pour les lire sur n'importe quel appareil, ça c'est cool. Regardez votre torrent instantanément, ça aussi c'est bien. Donc voilà, c'est surtout pour ça, pour une protection automatique contre les virus et les malwares, que je recommande BitTorrent Pro. Parce que les torrents, c'est bien connu, ils donnent beaucoup de malwares. Et avec cette version, vous n'aurez pas de malware. Donc, premièrement, comme on le dit dans l'installateur, on doit lancer le BitTorrent installateur, donc c'est celui-là. Donc vous le lancez. Bon, je le lance avec vous. Même si. Ah bah. Ouais, bon. Moi, vu que je l'ai déjà installé, bah voilà. Donc, vous lancez l'installateur. Vous savez comment installer un programme normalement. C'est ça. Et ensuite, quand vous avez installé BitTorrent, vous devrez lancer ceci. Donc, BitTorrent Crack version 4279. Pro 7.9.6 et vous l'aurez ici et franchement c'est vraiment bien. Vous remarquez qu'ici l'antivirus de BitTorrent pour les 3 torrents que j'ai les 4 torrents que j'ai téléchargé, ok bon c'est des musiques, mais voyez bien que ici l'antivirus bon pour celui-là ne l'a pas fait parce que ça a déconné, mais pour les autres voyez bien que ça a, alors ça a analysé le contenu de ce torrent ont été vérifiés, ils ne contiennent ni virus ni spyware. Mais bon après voilà, celui-là il est toujours en cours mais je comprends pas, c'est n'importe quoi, il fonctionne pas, voilà.
qui est bien aussi, c'est que vous pouvez convertir, machin, bazar, vous pouvez ajouter des appareils. Donc Android, je n'ai pas réussi. Vous pouvez ajouter des appareils à Apple et PlayStation, et Xbox. Et vous pouvez télécharger BitTorrent sur Google Play, ainsi de suite. Mais donc voilà, bah, c'était tout pour cette petite vidéo qui, j'espère, t'aura plu. C'est une mini-vision, on va dire. Donc voilà. En espérant que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, partager la vidéo. C'est franchement une astuce. Bon, je vous recommande pas de craquer parce que craquer c'est pas légal. Mais bon, vu qu'il y a tant de plein de personnes qui font craquer tout ça, plein de trucs comme les jeux vidéo. D'ailleurs, c'est les jeux vidéo et les films, c'est les premiers trucs avec la musique qu'on craque dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Donc franchement, ce crack là c'est juste pour vous assurer que niveau des torrents, vous ne devez pas à chaque fois nettoyer l'ordinateur après avoir téléchargé un torrent, parce que BitTorrent va le faire automatiquement pour chaque torrent téléchargé. Et donc voilà. Et ben bah, voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. Ah, on voit une infinité de fenêtres OBS. Hein. Lol. Et donc voilà, ben bah, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est une vidéo très courte. Enfin, très court, ça dure 6 minutes quoi. Donc si tu veux d'autres vidéos astuces en guillemets crack et tout ça, dis-moi dans les commentaires, je regarderai, je chercherai, ainsi de suite. Bref, voilà. Donc les gens, c'était Landor. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me suivre sur Twitter, Facebook et YouTube. Et à liker, partager la vidéo et à la commenter si vous voulez d'autres vidéos un peu crack, mais des logiciels utiles pour soit nettoyer votre Windows ou autre chose. Allez les gens, c'était Landorf. Peace. Et n'oublie pas de t'abonner.